Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous fais juste un petit coucou. Là, je vais vous montrer deux, trois petites créas que j'ai faites. Mais bon, il n'y a rien de, voilà, hein, rien de transcendant. C'est simplement pour vous dire que je suis en train de préparer toutes mes petites cartes de remerciement pour toutes celles à qui je n'ai pas encore écrit et remercié d'avoir participé à mon concours. J'en ai profité pour faire quelques petites ATC. Bon, là, j'ai fait sur le thème Paris. Voilà, avec un fond cœur, une tour Eiffel, un petit cœur rouge, une petite ficelle, une petite fleur. Voilà. Bon, ce sont vraiment des ATC toutes simples hein, que je fais. Hein. Là, c'est que des petites gorgeuses. Donc, c'était avec. J'ai essayé un petit peu. Ben, ça, j'ai fait d'après l'idée de Kat. Un peu avec le. En déchirant des papiers, j'ai ça m'a repris, là j'ai refait ça. J'ai refait un peu l'effet patchwork. Voilà, donc j'ai remis une petite gorgeuse en mettant quand même une petite. Un petit. Alors le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui fait son fou. Cookie, ça va aller peut-être? Cookie. Cookie. Oui, c'est moi qui te parle. Tu vas peut-être arrêter là. Merci. Voilà. Donc je peux continuer. Voilà, donc oui, donc l'effet patchwork avec les petites gorgeuses, c'était non, celle-ci non, mais j'ai fait avec les celle-ci, oui, j'ai fait avec l'emballage des étiquettes Panini là. Alors, j'ai bien sûr que j'ai fait un montage, hein, j'ai pas fait que découper et coller, j'ai voulu faire quand même, voilà, rajouter, remettre des petites étiquettes, rajouter un petit nœud. Mais bon, ça m'a amusé de faire ça parce que je trouvais que les emballages étaient tellement jolis. Et puis là, bah, comme j'ai ma jolie petite gorgeuse grâce à Sonia, eh bien j'ai pu photocopier du coup l'image. Et puis voilà, j'ai fait une petite carte aussi comme ça avec des petits nœuds en satin. Voilà, bah, celle-ci j'en ai parlé. Oui, ça, je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est pas vraiment un ruban, c'est une petite fantaisie comme ça. Voilà, et puis après, donc, toutes mes petites cartes de remerciement. Bon, j'ai fait vraiment différentes couleurs. Différentes couleurs, thèmes. Enfin, hein, bon, là, c'est à peu près le même thème, c'est gorgeous. Alors, j'ai fait avec des couleurs Pepsi, j'ai fait des couleurs plus classiques. En essayant un petit peu de. Voilà, quand j'ai fait mes cartes, j'ai essayé de penser à une personne en particulier. Et puis voilà, j'ai fait que ça. Oui, bah oui, j'ai pas travaillé énormément. Enfin, en fait, si j'y suis depuis ce matin, hein, mais vous voyez, j'avance pas très vite. Hein. J'avance vraiment pas du tout vite. J'ai fait que ça en une journée, oui. C'est pas. Mais bon, on va y arriver. Oui, j'ai fait celle-ci aussi, j'aimais bien. Voilà, qui est donc le même fond, mais du coup, je l'ai travaillé un petit peu différemment. Voilà, donc en fait, c'est juste une petite vidéo. Pour vous dire que bah, je ne vous oublie pas et que je vais vous écrire. Voilà, donc j'espère que ça va partir enfin, la semaine qui va arriver. Puisque là, aujourd'hui, on est samedi, je vais la poster tout de suite cette vidéo. J'espère que vous allez toutes bien. Et puis, bah, voilà, hein, je ne vais pas continuer à blablater plus que ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme info à vous donner? Principalement ça. Si. La semaine prochaine, donc, va partir l'enveloppe pour Stéphanie et l'enveloppe pour Kat. Et puis, je vais essayer de faire partir aussi. Qui c'est que j'avais dit? Non, je ne vais pas m'avancer parce que j'ai pas tout à fait fini. Je pense que si, bah, si je peux le dire. L'enveloppe de GG aussi, je pense qu'elle va partir courant de semaine prochaine. Voilà. Voilà mes petites copinettes, ben, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je pense très fort à vous. Et je vous souhaite un excellent week-end. Gardez bien le peps, le moral, le soleil va revenir. Et puis ben, en tout cas, moi ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous, au revoir.